Eh bien oui, c'est ce soir le 15e festival de la chanson Eurovision. Le 15e festival qui se déroule à Amsterdam. Nous étions l'an dernier, vous s'en souvenez peut-être, à Madrid. À Madrid, où eut lieu ce résultat tout à fait extraordinaire, dont on a prévu qu'il ne pourrait pas se renouveler, une précision du règlement s'y opposant désormais. Ce résultat extraordinaire, 4 pays gagnants, la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne et les Pays-Bas. C'est donc dans l'un de ces pays gagnants, aux Pays-Bas, que nous sommes ce soir à Amsterdam. Et cette émission commence avec une promenade au-dessus de cette ville ravissante, merveilleuse, charmante qu'est Amsterdam. Cette ville qui est prise sur la mer puisqu'elle est constituée de 55 îles. Cette ville aux 90 km de canaux. Ce matin, j'ai fait la promenade que vous faites actuellement. J'ai pris un de ces bateaux, je me suis promené sur les canaux d'Amsterdam et la jeune fille qui nous pilotait disait que cette ville possédait 800 ponts, 50 religions et 600 000 bicyclettes. Je dois dire qu'il y a 600 000 bicyclettes, mais qu'il y a aussi beaucoup d'automobiles et que malheureusement, les côtés des canaux sont devenus un peu des parkings, autant à ces canaux romantiques, un peu de leur charme. Mais il y a les tulipes, il y a le souvenir du grand Rembrandt, et il y a une population charmante, très attachée à ses traditions, et en même temps extrêmement dans le vent, extrêmement in et pop. Il suffit de regarder derrière les vélos les jeunes filles court vêtues qui se promènent. Ce soir pour Amsterdam, c'est un grand jour car ce programme va être vu par vous, téléspectateurs qui nous écoutez, c'est-à-dire par une population de 400 millions environ de téléspectateurs, puisqu'il y a même des télévisions brésiliennes et chiliennes qui reprennent l'émission par satellite. Voici un orgue qui tourne au bord d'un trottoir et ne croyez pas que ce soit une image qu'on ait fabriquée pour ce film. Il y a souvent, comme ça, des orgues un peu partout. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais chaque fois qu'on entend le commentaire d'un documentaire consacré à une ville, quelle qu'elle soit, Chicago ou Copenhague, il y a toujours un moment où l'on dit « Cette ville est la ville des contrastes. À côté des vieux quartiers se dresse la ville moderne. » Eh bien voilà, les quartiers neufs d'Amsterdam, ils sont là. Le soir vient de tomber sur l'immense palais des congrès où vous entrez. On vous souhaite la bienvenue avec des tulipes. Et ces deux charmantes hôtesses vont vous ouvrir les portes de cette grande salle où se déroule ce soir le 15e festival de la chanson Eurovision. L'orchestre est là sous la direction de Rolf van der Linden, musicien de variété fort connu aux Pays-Bas et que nous retrouvons d'ailleurs chaque année au festival de l'Eurovision. Précisons qu'il n'y aura que 12 chansons seulement, car les Scandinaves et le Portugal ne participent pas, en 1970, à cette compétition. La speakerine de la télévision des Pays-Bas, la ravissante Madame Willis Pangerdoop, va maintenant vous dire quelques mots. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue à Amsterdam à l'occasion du 15e festival de la chanson. Ladies and gentlemen, good evening. Welcome to the 15th Eurovision Song Contest here in Amsterdam. Dames en heren, goedenavond. Hartelijk welkom bij het 15e Eurovisie Songfestival dat gehouden wordt, u weet het allemaal, in Amsterdam. Une petite innovation cette année, chacun des 12 candidats sera présenté par un petit film où vous le verrez dans son pays natal. Et tout d'abord, 3 jeunes filles qui s'appellent Earth of Soul. Elles ont respectivement 16, 17 et 19 ans et elles mangent du hareng frais comme on le fait très souvent dans les rues d'Amsterdam. Ce sont 3 sœurs, je viens de vous le dire, le papa est musicien, les 11 enfants aussi.
Et que chante-t-elle, ces jeunes filles aux cheveux noirs comme de l'encre, Waterman, qui est le nom du Verseau, le signe du zodiaque, le Verseau, un signe qui, je dois dire, m'intéresse fort personnellement. Saul, ces trois jeunes filles représentaient donc les Pays-Bas. Et voici la seconde chanson chantée par Henri Dess qui représente la Suisse. Ces images n'ont pas été filmées en Suisse, elles ont été filmées à Paris devant une pâtisserie parisienne, car Henri Dess, après avoir été élève architecte et marchand de savon, s'est mis à écrire des chansons, à les chanter, et il a commencé sa jeune carrière dans quelques cabarets à Paris. Henri Dess va nous chanter une chanson qui s'appelle « Toi qui m'attends ». Mais cette chanson, je n'ai pas à vous la présenter, car vous allez la comprendre, puisqu'il chante bien sûr en français. Il y aura d'ailleurs plusieurs chansons chantées en français au cours de cette soirée. Toi qui m'attends au moins toutes les nuits, et moi qui prends le train pour l'Italie, j'y resterai 10 jours, ni trop long ni trop court. C'est un peu loin, je sais, mais tiens-toi bien. À mon retour, j'aurai dans un écrin les photographies de mes petites amies. Et l'Italie vaudra bien quelques nuits. Pa 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 la la pa 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 pa. Toi qui as l'âme sœur mieux qu'une sœur, et moi qui joue carreau avec ton cœur, je me fais la paire pour les Angleterres. C'est un peu loin, je sais, mais tiens-toi bien. À mon retour, j'aurai dans un écrin 2-3 galipettes et quelques bouclettes. Et ta douleur vaudra bien mon ardeur. Pa 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 pa
pa la la la, pa 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 la pa pa. Toi qui donnes l'amour mieux qu'une mère, et moi qui fais le sourd comme on prend l'air. Je pars à la conquête de toutes les minettes. Ça n'est pas rien, je sais, mais tiens-toi bien. À mon retour, j'aurai dans un écrin une grande expérience, tu peux me faire confiance. Et notre amour vaudra bien un détour. Pa pa la pa pa pa, pa pa la pa pa, pa pa la la la, pa 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 la pa pa, pa pa la pa pa pa, pa pa la pa pa, pa pa la la la, pa 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 la pa pa. Toi qui fermes les yeux sur mon absence, toi qui parles si peu, toi la clémence. Je sais qu'entre toutes, au bout de mes routes, je garderai pour toi, au fond du cœur, une place de choix, comme une fleur. Et une bagouze qui fera des jalouses, et notre amour vaudra bien mon retour. Papa la papa, papa la papa, papa la papa, papa la papa. C'était Henri Dess qui chantait la chanson numéro 2 dont le titre exact est Retour. Il représentait la Suisse. Et voilà que nous enchaînons sur le forum où nous trouvons un chanteur alors tout jeune et qui n'a vraiment aucun rapport avec les statues romaines, Gianni Morandi. Gianni Morandi est déjà une vedette. Il a commencé à chanter dans les dancing de la banlieue de Bologne, mais des tournées à l'étranger, de multiples émissions de télévision en ont fait une vedette très connue et très estimée en Italie. Il chante Occhi di ragazza, c'est-à-dire les yeux des filles, et vous vous dites du sujet, dans les yeux des filles, il y a tout, tout ce qu'on cherche et tout ce qu'on trouve. Quanti cieli, quanti mari che m'aspettano. Occhi di ragazza, se vi guardo, vedo i sogni che farò. Partiremo insieme per un viaggio, per città che non conosco. Quante primavere che verranno, che felici ci faranno, sono già negli occhi tuoi. Occhi di ragazza, io vi parlo coi silenzi dell'amore. E riesco a dire tante cose che la bocca non dirà. Tutto il sole nei tuoi occhi. Quando si fa notte, nella notte dei tuoi occhi, c'è una luce che mi porta fino a te. Un giorno in loro scoprirò quello che tu senza mare, io dovrò vedere il voi. Occhi di ragazza, quanto male vi farete perdonare. L'acqua di una lacrima d'addio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò. Prima d'addio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò.
Gianni Morandi vient de chanter « Occhi di ragazza, les yeux des filles » pour l'Italie. Et nous arrivons à la quatrième chanson. La chanteuse s'appelle Eva Sorsen. Je prononce vraisemblablement très mal et j'en suis désolé. Elle est filmée là à Ljubljana, en Yougoslavie, bien sûr. Un jour de neige. C'est une jeune fille de 18 ans, très musicienne, qui se destine d'ailleurs à une carrière musicale, même si elle ne continue pas à chanter. Et elle a gagné là-bas, en Yougoslavie, un prix très important dans le domaine de la chanson nationale. Elle a gagné le Camélia d'Or. Et la chanson a pour thème « Viens, je te donnerai une fleur, toi seul un jour me cueilleras ». Qui reste le umbeni, les âtes vêtis, pridi dalla ti bom svet, ot per la bom zate, se svoje lati. C'était la chanson numéro 4 qui représentait la Yougoslavie et la chanteuse Eva Sorsen. Voici maintenant la chanson numéro 5, la chanson belge. Il y a d'ailleurs dans ce programme 5 chansons chantées en français, celle-ci est la seconde, et c'est aussi le second petit film tourné à Paris, puisque Jean Vallée, qui est belge, travaille beaucoup à Paris et enregistre à Paris. C'est un garçon plein de vaillance, sympathique. Et il est auteur-compositeur et il va chanter une chanson qu'il a faite et qui s'appelle « Viens l'oublier ». Il a 28 ans. D'apparaître un peu de pluie pour tes cils, quelques larmes viennent de naître, un peu d'amour qui s'enfuit. Viens l'oublier, ce garçon te fait trop souvent souffrir.
bouquet d'ombre qui s'enfuit. Un soleil vient d'apparaître, un peu de bleu pour tes cils. Viens, l'oublier, ce garçon te fait trop souvent souffrir. Viens, l'effacer, ce premier amour était mal écrit. Une étoile vient d'apparaître, un peu de nuit pour tes cils. Une rose vient de naître, un peu d'amour dans ta nuit. Allez, viens, l'oublier, ce garçon te fait trop souvent souffrir. C'était Jean Vallée, Viens l'oublier, la chanson belge numéro 5. Et nous voici encore à Paris. Mais cette fois, c'est le représentant de la France dont il s'agit, Guy Bonnet. Guy Bonnet, dont la chanson a été sélectionnée au cours des émissions Musicolor cet hiver. C'est un garçon qui va avoir 28 ans, qui est passé par le conservatoire. Il est avignonnais d'origine. Et sa chanson, Marie Blanche, est une chanson que vous allez trouver jolie, je le pense, si vous ne la connaissez pas encore, dont il a écrit la musique. Les paroles sont de Pierre-André Doucet. Guy Bonnet s'accompagne au piano, et c'est notre ami Franck Pourcel qui dirige l'orchestre. Ma
entre mon cœur, il y a sa tête blonde et Marie Blanche est à moi. Marie-Blanche de et par Guy Bonnet représentait la France, numéro 6 ce soir. Il faut préciser d'ailleurs que Guy Bonnet avait écrit en 1968 la source qu'Isabelle Aubray chantait au concours de l'Eurovision. Et maintenant, une Ophélie en maxi-manteau sur le pont de Westminster devant le Parlement à Londres. Cette Ophélie, elle a 20 ans, elle vient du Pays de Galles, elle est déjà fort célèbre en Angleterre. Elle s'appelle Mary Hopkins et le lifeguard, qui la connaît bien, continue imperturbablement son travail. Mais des rues de Londres à Amsterdam, elle a fait le saut qui va lui permettre, peut-être ce soir, d'avoir une place brillante avec cette chanson très gaie qui s'appelle Toc Toc. Toc Toc, qui sait, vous vous en doutez, c'est l'amour qui frappe à la porte, bien sûr. Mary Hopkins remporte, vous le voyez, un franc succès dans la salle du Palais du Congrès à Amsterdam. C'était donc la chanson numéro 7. Et nous voici à nouveau à Paris avec David Alexandre Winter, qui va chanter ce soir et qui représente le Luxembourg. C'est une vedette fort connue à Paris, bien sûr, mais ce qui est amusant et pittoresque, c'est qu'il se retrouve dans son lieu de naissance, puisque David Alexandre Winter est né en 1943 à Amsterdam. Ce soir, évidemment, ce n'est pas Oh Lady Mary qui est son grand succès qu'il va chanter, mais une chanson d'Eddie Marnay et Dave Devrel, Je suis tombé du ciel. Je vivais bien là-haut dans mes nuages.
j'avais le cœur et la tête en voyage. Je me croyais tranquille pour longtemps. Chaque fois que je regardais la terre, je